Quand Jacques Faizan est venu, il a appris à Lino Ventura à faire la caricature de Monsieur Marchais. Oui, oui. Et Lino l'avait très bien faite. Il l'a très bien faite. Et puis lorsque Gus est venu, il a fait une caricature du présentateur de l'émission qui était pas mal non plus. J'ai trouvé très très bien, que je regarde tous les jours maintenant. Ça me donne l'impression de me regarder dans la glace. Alors, je ne sais pas ce que vous avez décidé de faire, mais vous avez quand même le droit d'utiliser le matériel professionnel qui est le vôtre, Monsieur Cabu. On va vous apporter un... C'est-à-dire que Cabu... Ah bah ça y est, voilà, tout est là. Cabu a décidé de me donner une leçon que je vais prendre volontiers. Alors, on démarre à zéro. La première leçon, en dessin, pour représenter une figure humaine. Il suffit de dessiner une ampoule. Essayez de dessiner une ampoule, Monsieur Tchernia. C'est pour dessiner quelqu'un de connu. Bon, vous allez voir. Alors, pour faire cette caricature, il faut commencer par dessiner une ampoule. Bon, bah, c'est bien. Mais Pierre, qu'on voit bien, voilà, c'est bien, c'est exactement ça. Hein. Il manque quelques petits détails, vous allez voir. On rajoute un cul de poule, là, oui. Et puis ça y est. Oui, c'est vrai qu'il suffit de l'ampoule pour faire le président. Hein? Je sais pas à qui on dit bravo, mais enfin, vous, à vous deux, vous avez quand même bien réussi. Hein. Alors, deuxième leçon. Alors, après... Deuxième leçon, Monsieur Cabu. Il y a le Premier ministre. Voulez-vous dessiner un cercle, un rond? Doucement, hein. Et fragile. Voilà. Au milieu de ce rond, tracez un plus petit rond qui fera le nez. Il a le nez en trompette, ce soir. Voilà. Ça va. Vous faites... Deux parenthèses, là, pour marquer les yeux. Les deux... Pommettes. Les deux joues, oui. Ouais. Et là, vous faites une bouche comme ça, comme une vague, comme un oiseau. C'est poétique. Voilà. Ça. Voilà. Bon. C'est vrai que ça commence à lui ressembler, hein. Hein, les pattes de la lune, hein, tout de suite. C'est... Alors, attendez. Ah, il n'y a pas d'erreur. Mais c'est une première étape pour dessiner Coluche, vous allez voir. C'est une première étape pour dessiner Coluche. Oui, c'est ça. Si vous voulez dessiner Coluche, vous commencez par dessiner Raymond Barre. C'est rien du tout après. Vous rajoutez un peu de cheveux. Oui, c'est vrai, tout de suite. Hein. Si vous avez un crayon rouge, vous rajoutez un peu de rouge sur le nez. Et voilà. C'est le changement dans la continuité. Quoi. Encore un, troisième leçon. Ça va vite, hein. Troisième leçon. Monsieur Tchernia, vous allez dessiner une sorte de grand corbeau qui s'envole comme ça. Je sais, parce que, à la vérité, il faut dire que Cabu m'a fait répéter, parce que sinon je suis absolument incapable de... Bien, alors une espèce de corbeau, il a dit. Oui. Il dessine pas mal, hein. Non, mais il faudra couper au montage, parce que c'est un peu long. Alors, il faudrait faire un plan de coupe sur Véronique, par exemple, ou sur Villers, pour que Pierre Bureau n'ait pas de problème, vous comprenez? Ben, c'est ça, ce qu'on appelle un plan de coupe. Au magnétoscope, paf, il passe sur Véronique, et puis quand on revient sur moi... Le dessin est fini. Pas le dessin, mais enfin, en tout cas, mon corbeau est terminé. Oula, qu'est-ce que c'est noir? Alors, dites donc. Floup! Voilà. Il est très bien. Alors, si vous voulez faire le nez qui arrive à la hauteur de la bouche. Mais je veux tout ce que vous voulez. Doucement. Il a dessiné quand il était petit, hein. Ça se voit, il dessine bien. Hein. Bon, alors maintenant, on va voir à quoi ça ressemble. C'est fufu. Voilà.
Alors là, c'est de Funès, là. Hein? Oui. D'accord. C'est la première étape pour dessiner Alain Perfit, vous allez voir. Il faut passer par de Funès pour trouver Alain Perfit. C'est pas évident au départ. Vous allez voir, vous rajoutez quelques cheveux. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour les oreilles, non? Et voilà, et vous doublez les oreilles. Et vous avez Perfit.